Le Christ, après sa passion, ressuscita le troisième jour, tel est le cas de la République démocratique du Congo qui a retrouvé les sourires à travers son double champion d'Afrique, le tout-puissant Mazimbi. Après un début de week-end noir avec les éliminations de Lupopo et Chinkunku en Coupe de la Confédération. En ce dimanche pascal, le tout-puissant Mazimbi était tout feu tout flamme face à Power Dynamos de la Zambie en 16e de finale retour de la Ligue des champions de la CAF. 4 buts à 0 en première période, il faut le faire. Ouverture du score de la 10e minute sur cette frappe de Renford Kalaba. Et le premier but, Renford Kalaba, qui soulève tout un complexe Frédéric Ibassa Maliba, plein comme un œuf. Poutou Trésor marquera le deuxième but sur une passe de Nkoulou Kouta. Assiégeant toujours le camp des Zambiens, Given Singuluma face au gardien pour le troisième but, toujours sur un service de Nkoulou Kouta. Ah, contre toute attente, à la 42e minute. Il revient 3 minutes après, soit à la 45e, et réussit la 4e réalisation des Corbeaux. Et le 4e but, formidable. Ah, un peu nonchalant, c'est pas possible. La reprise sera un peu timide, mais la domination restera de Mazimbi. 67e minute, c'est une faute sur Deo Kandamkok en pleine surface de réparation. Ah, c'est pénalty. Pénalty logique que Mputu Mabi transformera à la 67e. 5-0, deuxième but du capitaine. Dans une action offensive, Mputu Mabi surprend le gardien de Power Dynamo sur cette tête. Et le but! Aïe, aïe, aïe! Ya Mputu Mabi Trésor qui réalise un triplé du sixième but de Mazimbi et ce sera le triplé du capitaine de Mazimbi. Les assauts dans le camp adverse se poursuivront jusqu'à la fin de la partie. 6-0, la messe pascal est dite, le tout-puissant Mazimbi Anglebert ressuscite avec le Christ et jouera El Merrier du Soudan en huitième des finales.